l'épicerie du ciel. Je marchais sur le chemin de la vie quand j'ai vu une enseigne, épicerie du ciel. Étonnée, je jette un coup d'œil à l'intérieur et vois toute une armée d'anges. Le 2 m'a tendu un panier et m'a dit « Bon magasinage, achetez avec soin. » Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente. J'ai tout d'abord acheté un peu de patience, un peu plus loin la compréhension. Puis, l'amour était tout près sur l'étagère. J'ai aussi pris une ou deux boîtes de sagesse, quelques sacs de foi. Je n'ai pu manquer l'Esprit Saint. Il était sur toutes les tablettes. J'ai pris un peu de force et de courage pour continuer ma course. Puis, je me suis rappelé que j'avais besoin de grâce. Et je n'ai pas oublié le salut. Il était gratuit. J'ai alors pensé que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je me suis dirigée vers la caisse pour régler mes achats. J'ai alors vu la prière et je l'ai mise dans mon panier. La paix et la joie étaient juste là devant moi. J'ai demandé à l'ange combien je lui devais. Avec un beau sourire, il me dit, « Ami, Jésus a déjà payé il y a très longtemps. » Jésus a déjà prié. Amen. Et pour notre moment de louange à ce Dieu d'amour, nous allons nous mettre debout. À notre tour, nous allons réciter le psaume 117, puis chanter « Reçois de moi ». Le chant du piano, s'il vous plaît, c'est terminé. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. À ce degré d'amour, nous allons chanter ensemble. Reçois-le-moi le parfum qui vient dessus. Avec beaucoup d'expression. Je veux être calme.
nous tomber dessus. Thank you.
Éternel, notre Dieu tout puissant, Dieu conseiller, Dieu d'intelligence, Dieu de connaissance, Dieu pourvoyeur, en cette journée, frère Damien, nous sommes tous contents d'être à tes pieds en vue de te louer, de salmodier ton saint et grand nom par des chants, par des requêtes. En ce beau matin éternel, nous savons que les êtres sans péché, les anges, les archanges, les chérubins, les vieillards, ils sont tous protégés devant ta face bénie en vue de t'adorer éternel. Nous, communs des mortels que nous sommes, pécheurs que nous sommes, nous prenons plaisir aussi à fléchir nos genoux devant ta face bénie pour dire que ton nom est saint, saint, saint. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur pour cette belle et agréable semaine que chacun de nous ici présents a pu traverser sur ta grâce éternelle. Nous voulons aussi profiter de cet instant pour te remercier d'une façon toute spéciale pour le sabbat que tu nous donnes, ce jour de repos physique et ce jour de repos qui nous permet d'être en contact direct avec toi, éternel. Nous bénissons ton saint grand nom parmi nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous sommes agenouillés devant ta face en vue de te présenter un culte d'action de grâce. Nous sommes des humains. Nous te représentons avec des imperfections. Nous voulons te demander d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, éternel, et que ton culte soit rendu d'une façon agréable, éternel. Nous avons entendu toutes sortes de choses dans le monde éternel, toutes sortes de théories. Certains disent, éternel, que nous sommes venus à l'existence à partir de Big Bang, à partir d'une explosion. Mais nous savons pertinemment, dans une explosion, il y a toujours des méfaits éternels. L'explosion nous rapporte. Service de fidélité. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Il a fondé sur la terre ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il créa un homme et une femme. Les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin pour le cultiver et pour le garder. Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui l'une
des plus douces joies de son existence. Comme nous recevons continuellement les bénédictions de Dieu, ainsi devons-nous donner toujours. Lorsque le céleste bienfaiteur cessera de nous secourir, alors nous pourrons être excusés, car nous n'avons plus rien à partager. Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit, « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à notre Dieu notre gratitude et notre amour. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta bonté qui s'est renouvelée encore pour notre faveur ce matin. Merci pour le sabbat que tu nous as donné, qui nous permet de nous reposer de toutes nos tâches et venir dans ton Saint-Temple pour t'adorer. Nous voulons te demander, bien avant tout, pardon pour les péchés que nous avons commis. N'entre pas en jugement avec nous. Et mets ta force, notre faiblesse, Seigneur, pour que nous puissions les surmonter. Nous voulons te remettre, te présenter, Seigneur, le produit de notre travail. Que tu puisses l'agréer toi-même. Si malheureusement, Seigneur, nous n'avons pas pu t'en apporter, que tu puisses mettre de quoi en nos mains pour que la prochaine fois que nous puissions contribuer joyeusement dans ton œuvre. Change nos cœurs, Seigneur, et rends-nous meilleurs. Toutes les grâces que nous te demandons, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te les demandons. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes à l'heure du coin des enfants. Nous allons appeler Frère Emmanuel Mathieu pour organiser le coin des enfants. Alors, tous les enfants sont priés de passer à l'avant pour le coin des enfants. Bye.
Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Il y en a qui ne se sentent pas bien. Hein? Toi, tu te sens bien? Ok, il y en a qui se sentent. À toi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que le nouveau c'est mal. Comment? Parce que le nouveau c'est mal. Ah, il a mal au. Bon, on va prier pour lui. On va prier pour lui, le film. Merci. Bon, alors ce matin, je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. S'il y a un enfant ou une enfant qui n'aime pas les histoires, qui lève la main. Celui-là qui n'aime pas les histoires. Voilà, c'est bien ça. Ok, baissez la main. Baissez la main. Quels sont ceux-là qui aiment les histoires? Levez-moi. Tu vois, la majorité encore. Voilà. Good. Ok, baissez la main. Bon. Et il y en a qui sont debout. Vous allez être fatigués. Bon. Mais tu peux t'asseoir, hein? Il n'y a pas de problème. Ok, pardon. Il se met là. Voilà. Est-ce que Dieu existe vraiment? Oui. Dieu existe vraiment? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu existe? Amen. Elle a dit que Dieu existe parce que Dieu exauce la prière. Toi, qu'est-ce qui te fait dire que Dieu existe? Il nous a créés. Amen. Dieu nous a créés, il existe. Amen. Attendez. Il y en a d'autres qui voudraient répondre, mais on va attendre. Écoutez bien. J'aime bien la réponse de Lenski. Lenski dit que Dieu existe parce que Dieu nous a créés. Donc, nous sommes les témoins de la création. Nous sommes les témoins de Dieu. N'est-ce pas vrai? Nous sommes les témoins de l'existence de Dieu. Nous sommes les témoins de la toute-puissance de... Il y en a qui ne me suivent pas. Est-ce que tout le monde me regarde? Oui. Ok, là, je suis content. Bon, écoutez bien. Qu'est-ce que tu as créé en premier? La terre. Le ciel, la mer, la terre. Premier, le ciel et la terre. Ça, c'est la première chose que Dieu a créé. Dieu a créé une deuxième chose après ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des jumeaux. Non, pas tout de suite. La mer? Pas tout de suite. La chair. Les animaux. Pas tout à fait. Alors. Ce que tu as fait en deuxième, c'est qu'il a séparé les eaux qui sont dans les cieux, les nuages, et puis les eaux qui sont sur la terre, les océans, les rivières, les fleuves. Donc il a séparé les eaux. La troisième journée, le troisième jour, Dieu a fait quelque chose. Il a crié. Les plantes, mais avant les plantes, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la terre ferme maintenant. La terre ferme avec les plantes, les arbres, et puis toute la végétation, Dieu les a mis. Quatrième jour, Dieu a fait quelque chose d'autre. Non, pas la mer. Les animaux, oui. Il a créé les animaux. Et puis, non seulement il a créé les animaux, il a créé les astres, le soleil, la lune, les étoiles, et puis il va créer les animaux. Et après ça, cinquième jour, la mer. Non, pas cinquième jour. Les humains. Cinquième jour. La nuit et le jour. Et le jour, non.
les océans, les animaux de l'océan et de l'air. Mm-hmm. Les oiseaux et les animaux. Merci. Merci beaucoup. Bon, maintenant, sixième jour, tout le monde le sait. Dieu a crié, sixième jour. Les humains. Dieu a crié les humains au sixième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les humains ne sont pas trop importants, c'est pour ça que Dieu nous a créés en sixième lieu. Non, c'est pas ça. Parce que Dieu a voulu une chose. Il a voulu préparer toutes choses, meubler la terre correctement pour nous recevoir. Et c'est ainsi qu'il a créé les humains au sixième jour. Voilà. Au sixième jour. Maintenant, il y a une chose qui est très intéressante. Remarquez que Dieu a créé les autres choses, mais il ne les a pas créées à son image. Il ne les a pas créées à sa ressemblance. Mais quand il devait créer l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a mis sa photo sur la terre. Dieu a mis sa photo sur... Toi et moi, nous sommes l'image de Dieu. C'est exactement. Qui a déjà vu son album de photos? Vous avez pas mal de photos dans l'album, non? Eh bien, Dieu, lorsqu'il regarde son album, c'est nous qui voit. Il regarde l'homme et la femme. Mais il y a une autre chose, okay? Non seulement Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas créé seulement l'homme, mais il a créé la femme. Est-ce que Dieu a créé deux femmes? Non. Il a créé deux hommes? Non. Qu'est-ce qu'il a créé? Un homme et une femme. On va le reprendre. Dieu a créé un homme et une femme. Pourquoi a-t-il créé un homme et une femme? Il aurait pu créer deux hommes, deux Adam. Alors pourquoi il n'a pas créé deux hommes? Parce qu'Adam, Dieu pensait qu'il se sentait plus seul, alors il a pris un os d'Adam puis créé Ève. Bon, ta réponse est bonne, mais c'est pas cette réponse que je voulais, mais ta réponse est bonne, pareil. Oui. Parce que ce sont les hommes de la terre. Oui, Mika. L'homme ne doit pas rester tout seul. C'est bon? C'est bon? Parce qu'il y avait tous les animaux, ils étaient avec une femelle et un mâle. Mm-hmm. Ah, voilà. Merci. Alors, Dieu, alors comment? Anissa a dit, parce que Dieu a voulu mettre un homme et une femme. C'est comme les animaux. Il y avait des animaux mâles, il y a des animaux femelles. Donc Dieu a mis un homme et une femme. Mais je vais plus loin que ça. Dieu a mis un homme et une femme, c'est parce que s'il n'avait pas mis un homme et une femme, tu ne serais pas là aujourd'hui. Moi non plus, je ne serais pas là. Parce que pour créer, pour mettre d'autres personnes au monde, il a fallu un homme et une femme. Alors si je mets deux hommes sur la terre, est-ce que je vais avoir des taux humains? Des mouches. Si on met deux femmes sur la pièce, on va avoir deux humains. Ça prend un homme et une. La première famille. On va finir là. Je suis sur le point de terminer. On va finir. La première famille que Dieu a créée, c'est Adam, Ève, et puis Caïn et Abel. Ça, c'est la première famille. Je vais vous raconter quelque chose rapidement parce que là, le cours, il y avait un homme qui voulait avoir plusieurs poules. On lui a donné une poule, il a dit, bon, j'aimerais avoir plusieurs poules. Il a pris sa poule, il l'a mis dans un enclos, dans un pâturage, il l'a mis là. Et puis il s'attend à ce que la poule se multiplie, qu'il y ait plusieurs poules. Mais il s'est dit, bon, ça fait plusieurs mois, il n'y a pas plusieurs poules. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a pris une autre poule, il l'a mis dans l'enclos.
Il pense que ses poules vont avoir des œufs et ces œufs-là vont donner naissance à des poules. Il a attendu longtemps, il n'a jamais eu d'œufs, ni de corps, ni de poules. Un beau jour, il a rencontré un ami. Il lui a dit, regarde, ça fait quelques mois, il y en a qui ne me croient pas, ça fait quelques mois que j'ai mis dans cet enclos-là deux poules. J'ai jamais eu d'autres poules. Qu'est-ce qui arrive? L'autre lui a dit, est-ce que tu lui as donné à manger? Elle a dit oui. Est-ce que tu leur as donné à boire? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? L'homme lui a dit, c'est peut-être parce que tu as mis deux poules. Est-ce que tu as eu un coq? Oui. Ah, je vais mettre un coq. Il a mis un coq et puis il les a laissés. Et puis là, il commence à avoir des œufs. Là, avec les œufs, il va avoir des poules et des coqs. Donc, tant aussi longtemps que l'homme avait seulement des poules dans son enclos, il n'y aurait jamais de... Des œufs. Des œufs. Et qui donneront naissance à des poules, des poussins et des coqs. Et sinon, on comprend une chose, il y a un principe que Dieu a mis. Pour qu'il y ait d'autres humains, pour qu'il y ait procréation, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Donc s'il y a deux hommes, on n'aura jamais d'autres humains. S'il y a deux femmes, on n'aura jamais d'autres humains. Alors là, le temps fait défaut. On s'arrête là. Donc, je vous laisse avec ça. Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image et à sa ressemblance. Nous voulons d'abord remercier Dieu pour le message qu'il nous a livré ce matin en la personne de notre premier ancien. Nous avons vu que Dieu est le créateur de tout et le pourvoyeur par excellence. Tout ce que nous avons à faire, c'est reconnaître sa toute-puissance, mettre dans nos confiances en lui, et lui, il pourvoira à tous nos besoins. Nous voulons aussi remercier nos chers membres d'église pour leur présence et leur participation. Mais ce matin particulièrement, et vous allez souffrir que l'on porte notre attention particulièrement sur nos visiteurs qui nous ont honorés de leur présence. Chers visiteurs, nous n'avons pas de mots pour vous exprimer notre joie et notre reconnaissance pour votre présence et votre participation à ce feu. Vous tous qui êtes là, c'est parce que vous avez été invités par quelqu'un, soit un ami, soit un proche, soit un membre d'église ou quelqu'un. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas cette invitation qui vous a amené ici. Vous êtes là pour répondre à l'appel de Dieu. Vous êtes là parce que Dieu vous a convié ici et pour l'adorer en esprit et en vérité. Donc, toute la gloire soit à Dieu. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour vous inviter à notre campagne d'évangélisation qui se tiendra du 18 juin au 16 juillet prochain. 18 juin, c'est dans le sabbat. Le thème principal de cette campagne d'évangélisation, c'est la famille. Et nous vous convions à cette campagne parce que à cet effort d'évangélisation, parce que
C'est un effort qui est fait dans le but de consolider nos familles. Et nous savons, frères et sœurs, qu'il y a des bénédictions innombrables à rechercher Dieu, la présence de Dieu dans nos foyers et dans nos vies. Et nous voulons aussi, comme c'est une journée qui vous est consacrée, et comme nous apprécions beaucoup votre présence ici, nous voulons vous inviter à partager le repas avec nous. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous et nous vous disons aussi que ce repas, c'est un moyen de casser la poudre ensemble et aussi c'est un moyen de fraterniser ensemble et de faire plus ample connaissance. Et pour terminer, vous allez dire que nous vous aimons beaucoup, chers visiteurs. L'école du sabbat organise un panel et sur la création à partir de 3h30, vous êtes tous conviés, vous êtes tous invités à ce panel. Donc, pour terminer, nous vous demandons de vous mettre debout et nous allons entonner avec les chants, le chant numéro 19. Nous chanterons ensemble le premier et le cinquième couplet. En esprit et en vérité. Amen. Merci pour la proclamation de ta parole.
Merci pour la présence de tes visiteurs. Alors que le moment est arrivé où nous allons vider ce lieu, nous te demandons de nous renvoyer avec ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus qui vit et règne au Saint-Esprit. Amen.